Hey tout le monde, c'est Jonathan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo informative sur Assassin's Creed 3 Remaster, dans laquelle on va parler du report du jeu. Car oui, le jeu serait malheureusement reporté. C'est une bien triste nouvelle que je viens d'apprendre et que je me permets de partager aussitôt avec vous. Assassin's Creed 3 Remaster, qui devait voir le jour en mars prochain, sortira finalement en mars. Je vous ai bien eu, hein. Non, plus sérieusement, le jeu serait vraiment reporté, mais de seulement une semaine, ou pas. En fait, je vous explique. J'ai posté une petite vidéo en novembre 2018 dans laquelle je vous dévoilais la date de sortie du jeu, de Assassin's Creed 3 Remaster. J'avais un abonné qui avait contacté le support Ubisoft sur Facebook pour savoir quand est-ce qu'il allait sortir, et le community manager de la page a malencontreusement donné l'information alors qu'il n'y était pas autorisé. Et du coup, la date était fixée pour le 19 mars 2019. Problème, on a aujourd'hui plusieurs revendeurs en ligne qui listent le jeu pour le 29 mars 2019. Soit 10 jours après. On a Leclerc, Cdiscount et même Micromania qui ont créé la petite page vous permettant de précommander le jeu et qui l'annoncent tous pour cette date. Alors on pouvait croire à une erreur, mais Micromania a bien confirmé sur Twitter que c'était Ubisoft qui leur avait communiqué cette date et qu'il s'agissait d'ailleurs d'une version boîte. Du coup, deux hypothèses, soit le jeu sortira en deux fois, une première fois le 19 mars en dématérialisé, notamment pour ceux qui possèdent le Season Pass d'Assassin's Creed Odyssey, et il sortirait après en boîte pour tous le 29. Ou alors, seconde hypothèse, le jeu sortira pour tous, que ce soit en boîte ou en dématérialisé, le 29 mars 2019. Moi perso, je pense que c'est la première hypothèse qui est la plus probable. Déjà parce que Ubisoft sort très souvent leurs jeux, ou du moins les contenus Assassin's Creed, les mardis. Regardez dans l'historique des mises à jour ou des sorties de DLC, à chaque fois ça tombait un mardi. Et le 19 mars c'est quoi? Un mardi. Donc il est très probable que le jeu soit disponible le mardi 19 mars pour ceux qui possèdent le Season Pass. Ce sera une sorte de petite exclusivité de quelques jours avant la sortie du jeu en magasin. Ils avaient fait ça avec le remaster de Far Cry 3 l'année dernière. Il était dispo quelques semaines en avance pour ceux qui possédaient le Season Pass de Far Cry 5 et il était sorti quelques semaines après en magasin. Mais de toute façon, ce serait bien qu'Ubisoft communique un peu plus sur le jeu parce que mine de rien, il sort dans 2 mois. On n'a aucune image, aucune vidéo. La date de sortie, on est obligé de la trouver nous-mêmes via les revendeurs en ligne. Donc à un moment, il faut parler. Là, on a eu l'information de Micromania comme quoi c'était bien Ubisoft qui leur avait donné la date du 29 mars. Donc ils peuvent très bien faire un communiqué, Ubisoft. Ils peuvent très bien l'annoncer publiquement et nous dire si oui ou non les possesseurs du Season Pass auront une petite exclusivité avec une sortie le 19. Bref, pour le moment, on va se contenter de cette info 100% officielle. Le jeu sortira en boîte le 29 mars 2019. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le jeu sortira pour tout le monde à la même date? Ou est-ce que au contraire, vous pensez comme moi qu'il y aura une petite exclusivité de quelques jours pour ceux qui ont le Season Pass? En tout cas, s'il y a du nouveau d'ici là, eh bien je vous ferai une petite vidéo. Ou alors je vous communiquerai plutôt tout ça sur mes réseaux sociaux. Parce que bon, c'est un petit peu bête de faire une vidéo juste pour vous dire c'est bon, c'est officiel, on pourra l'avoir le 19 ou on pourra l'avoir le 29. Voilà, il faut quand même que je puisse proposer d'autres informations pour pouvoir faire une belle vidéo. Donc je privilégierai, j'ai du mal à le dire ce mot, je privilégierai les réseaux sociaux pour cette information-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Allez, je vous donne rendez-vous ce week-end pour vous livrer mon avis sur Assassin's Creed Odyssey. Vous allez voir, ça va chauffer. Bonne fin de semaine à tous, portez-vous bien. Tchuss !